Salut les gens, alors excusez-moi, j'ai fait une petite erreur stratégique. Du coup, je vais vous expliquer. À la base, je voulais faire un concept qui s'appelle les 9 facts. Donc, le principe, c'était de faire un fun fact tout normal. Et le lendemain, je disais non, en réalité, le fun fact d'hier, il était faux. C'est une idée reçue qui circule sur Internet. Du coup, c'est un 9 facts. Sauf que je me suis fait complètement incendier et j'avais oublié la nature humaine. Du coup, je vais changer de stratégie. Là, je vais juste faire le fun fact tout à fait normalement. Et à la fin, je vais dire, et non, c'est faux, 9 facts. Du coup, comme ça va éviter que les gens croient pendant une journée entière que le fait est réel, et pour ceux qui savent que c'est faux, de m'incendier. Du coup, aujourd'hui, pour m'excuser, je vais faire un fun fact et un 9 facts. Cette fois, je vais pas vous dire qu'est-ce qui est vrai, ça sera à vous de trouver, je le dirai demain. Fun, 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 fun fact! Fun fact numéro 10, partie 1. Du coup, l'espace serait en réalité pas vide. Effectivement, dans l'espace, il y a un atome par centimètre cube à peu près. Par comparaison, l'air, un centimètre cube, on a 20 milliards d'atomes. Donc on peut presque considérer que l'espace est vide, mais en réalité, il n'est pas vide. Fun fact 10, partie 2. Depuis l'espace, on peut voir les grandes pyramides de Gizeh. Ça, c'est connu. Mais on peut également voir la Grande Muraille de Chine si jamais on va juste à la limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace. J'espère que ce fun fact t'a plu. En attendant, abonne-toi, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, et surtout, à demain pour le prochain fun fact.